le nom du Seigneur Jésus-Christ. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Je vais que la grâce du Seigneur nous soit accordée et aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. I want the grace of the Lord to be given to each one of you and to our beloved following us all over the world. 1 Corinthiens chapitre 10. We are in the book of 1 Corinthians chapter 10. On nous lit, reading, à partir du verset 5, 6, et vous allez sauter pour prendre les 11 versets. 1 Corinthiens 10. 5, 6, Virgile, verset 11. We're going to read the book of 1 Corinthians chapter 10, reading verse 5, 6, and then jumping to read verse 11. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. But with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Now these things became our examples to the intent that we should not lust after evil things as they also lusted. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verse 11. Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Nombre chapitre 11, verset 4. Pour les gens qui font la lecture comme moi, nous allons descendre jusqu'au verset 16. Mais l'évangéliste pourra lire seulement les versets 4 et sauter lire les versets 10 parce que je dois gagner du temps. We're going to read the book of Numbers chapter 11, reading from verse 4 all the way to 16 for those who read the Bible. But for today, because of time, we're only reading 4 and then jump to read 10. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Now the mixed multitude who were among them yielded to intense crying. So the children of Israel also wept again and said, who will give us meat to eat? Pour la meilleure compréhension, prenez le verset 5. Nous nous souvenons de poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtent rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ailes. We remember the fish we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons, the leek, the onions and the garlic. Verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. But now our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille. Et à l'entrée de sa tente, et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Then Moses heard the people weeping throughout their family, everyone at the door of his tent, and the anger of the Lord arose greatly. Moses also was displeased. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. May the Lord add meaning to the reading of His word. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. I say may God bless you. Que Dieu nous accorde la compréhension de sa pensée cachée dans ses écritures. And we want the Lord to give us the revelation of his thoughts hidden in the scriptures. Nous sommes dans le désert des parents. We are busy with the wilderness of Paran. Trop de questions que nous pouvons nous poser. Many questions to ask ourselves. Dans la vie chrétienne. In Christian life. Il y a que Dieu qui a la réponse. But only God has the answer. Nous prions. Nous gênons, we are praying, fasting. On persévère parfois, il n'y a pas de réponse à nos prières. Persevering sometimes there's no answer to our prayers. Nous voyons la vie chrétienne devenir difficile. And we see our Christian life becoming difficult. On se pose trop de questions. Asking ourselves many questions. Mais pourquoi cet attendement? Now why all these questionings? Pourquoi il y a des fois on se fatigue? Why sometimes we do get tired?
Pourquoi on gêne, on prie, mais il n'y a pas de changement? Why do we pray and fast yet no change? Est-ce que le Seigneur réellement nous connaît? Well, indeed God knows us. Pourquoi les saints meurent? Why the saints dies? Pourquoi les méchants prospèrent-ils dans Why ce monde? Why evil and the wicked people prosper in this world? L'écapement, c'est la réponse à toutes ces questions. And the encampment is the answer to all these questions. Oui. Yes. La vie chrétienne, c'est une vie très difficile si on ne comprend pas comment est-ce que Dieu marche avec les gens. Christian life is a difficult life if you do not understand how God works with His people. Dans ce campement, nous comprenons que Dieu peut nous répondre par des moments difficiles. And in this encampment, we came to understand that God can answer us even through difficult times. Retenez, nous prions. Keep this, we are praying. La réponse appartient à l'Éternel. But the answer belongs to God. Et Dieu nous répond comme il veut. And God non pas seulement comme nous voulons. Answer us as He wanted, not the way we want. Le campement nous enseigne comment marcher avec Dieu. The interpretation shows us how to work with God. Comment comprendre le langage de Dieu. How to understand the language of God. Comment aller. How to go. Là où la chair ne veut pas. Where the flesh doesn't want. Le campement nous soumet à la volonté divine. The encampment submits us in the divine will. Il y a des choses que nous voulons faire. There are things we want to do. Mais Dieu ne veut pas. Yet God doesn't want. Voilà l'importance du camp. This is the importance of the encampment. Dans le campement, on comprend le langage de Dieu. In the encampment, we understand the language of God. Parce qu'il y a des fois, Dieu ne parle pas comme les humains. Because sometimes God doesn't speak as human beings. J'ai vu le frère David. I've seen brother David. Choisi par Dieu pour devenir roi. Chosen by God to become king. Dieu envoie Samuel. But God sent Samuel. Samuel pose la question. And Samuel asks the question. Saul apprendra. And then Saul learned. Il va me tuer. He's gonna kill me. Mais la réponse de Dieu. But the answer of God. Si vous voyez cela, vous allez dire que Samuel avait menti. If you see it, you think that Samuel lied. Il part pour donner l'offrande. He goes to give an offering. Il part pour offrir. He goes to offer. Mais dans cette offrande, yet in that offering, c'est caché le roi. A king was hidden. C'est ça le langage de Dieu. And this is the language of God. Et nous voyons Jésus-Christ sortir dans le Jourdain. And we see Jesus coming out of the Jordan River. Jean-Baptiste présente l'offrande. And John the Baptist present the offering. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Did we indeed need this? Oui. On ne peut pas voir le roi sans l'offrande. Yet we cannot see the king without the offering. Sans le sacrifice. Without the sacrifice. C'est-à-dire que Dieu a sa façon de parler. Meaning God has His way of speaking. Qui parfois nous échappe. Which sometimes goes beyond our mind. Le campement nous fait entrer dans l'école de Dieu. Therefore the encampment brings us into the school of God. Comprendre que tout dans nos vies dépend de Dieu. Understanding that everything of our lives depends on God. Notre réussite. Our success. Tout ce que nous pouvons faire. Everything we can do. Le vécu quotidien. Our daily life. On a besoin de l'assistance du Seigneur. We need the assistance of the Lord. Voilà l'importance du camp. And this is the importance of the encampment. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. On parle de comment est-ce que Dieu parle. Understand how God speaks. Dieu marche. How He walks. Dans des déceptions, in disappointments, dans des combats, in battles, Dieu est là. Yet God is there. Je dis que vous êtes heureux ce matin, vous qui êtes venus, parce que le message d'aujourd'hui changera beaucoup de gens par vous. And I'm saying that you are happy, you have come, because the message of today will change many people's lives. Dieu m'a dit de vous dire qu'aujourd'hui il va changer la vie de beaucoup de gens. God said to you that the message of today will change people's lives. Je me souviens, je faisais une prière à la télévision à la RDC vers des années passées, mais une sœur à Zambie plutôt, qui me suivait à la télévision, c'était sa délivrance. Elle était tombée par terre, elle a vomi, c'était sa délivrance. Même les gens qui me suivent de loin, je vous dis que Dieu m'a dit aujourd'hui qu'il va venir, il va délivrer, il va guérir. Back in the days ahead, I was praying in broadcast, and a sister in Zambia, through my prayers, fell and got a deliverance. And even you following us live, today is your day. Écoutez. Listen. Je suis dans le désert de Paris. I'm in the wilderness of Paran. Je veux pas revenir. I won't come back. Tout ce que je dis. On everything I say. Parce que je veux dire des choses très importantes et simples aujourd'hui. Because I'm going to say very important things and simple. Israël, après avoir été enseigné dans Sinaï. Israel, after being taught in Sinaï. Première marche, c'est le désert de Paran. First walk is the wilderness of Paran. Dans le désert des parents, and in the wilderness of Paran, la première expérience que j'expliquerai le mardi, they had the first experience which I will explain on Tuesday. Le feu a consumé la tabéra. The fire came and devoured the tabéra. Mais après le murmure
plainte des enfants d'Israël, but after the complaining of the children of Israel, au milieu d'eux il y avait des ramassis. In their midst, there were the mixed multitude. Les ramassis étaient saisis de convoitises. And the mixed multitude were caught by the lust. Et Israël aussi était entraîné par la convoitise. Il a commencé à murmurer. And Israel was dragged into some lustful and started to complain. Mais cette fois-là, le murmure. And this time, they complained. C'était pour mépriser la manne qui était au devant. It was to despise the manna in front of them. J'avais dit ce jour-là. And I said back in the day. Il y a le murmure. There are complaints. Israël. Of Israel. Il y a le murmure poussé par les ramassis. And there are complaints led by the ramassis. Mais cette fois-là, on méprise la manne. But this time, they despise the manna. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'expliquer aujourd'hui. I don't know if I'll have time to explain it today. Pour les poireaux, pour les concombres. For the leeks, for the cucumbers. Pour la viande de l'Égypte. For the meat of Egypt. J'ai toujours dit que. I always say that. Murmure, c'est la vie de l'homme sur la terre, mais il y a de murmures et de murmures. Complaints is the life of human beings on earth, but there are complaints and complaints. Murmure parce que je n'ai pas mangé, je viens dans la prière. Complaints because I did not eat and I come into prayer. Murmure parce que les choses n'ont pas bien tourné, je viens dans la prière. Complaining because things didn't work out and I come to ça, pray. Ça c'est différent avec murmurer contre l'enseignement. But it's different from complaining because of a teaching. On ne peut pas murmurer contre l'enseignement qui est véritable. The teaching which is true. Parce que Dieu ne changera jamais la manne à cause de murmures des gens. Because God cannot change the manna because of the complaint of people. Et dans le désert, on ne peut pas se choisir la nourriture qu'on veut. And in the wilderness, you cannot choose for yourself the meat to eat. Je dis aux assemblées des saints, organisation des hommes. And I'm saying to the assembly of saints, assembly of people. Je ne parle pas de l'assemblée des saints de la Bible, mais des organisations humaines. Not of the Bible, but the human organizations. Ils sont tombés loin de la volonté de Dieu. Who fell far from the will of the Lord. À cause de faire choix de la nourriture dans le désert. Because of choosing the food in the wilderness. Aujourd'hui, la nourriture c'est seulement. Today, the food is only. Expliquez le où, le quoi, le c'est-à-dire. To explain the way, the how, and the how come. Mais la prière. But the prayers. L'amour. The love. L'unité. The unity. La paix. Peace. On rejette ça. We reject it. Non, on ne choisit pas la nourriture dans le désert. No, you don't choose food in the wilderness. Aujourd'hui, on peut exhorter. Today we can exhort. Mais les gens disent que Dieu n'est pas là. And people say God is not mais here. Mais quand on explique, vous voyez. But when we say, voilà. You see this. This ça, is c'est le grand péché. This is the greatest sin. Oh, dans le désert. Yet in the wilderness. Dieu donne la nourriture comme il veut. God gives food as he wants. Et chaque nourriture. And each food. C'est pour notre bien. It's for our good. Mais quand on choisit la nourriture. But when you start choosing, picking food. Là, on tombe dans le piège des ramassis. Then you fall into the traps of the mixed multitude. Je veux que le prédicateur reste naturel. I want the preachers to remain natural. Que les enseignements soient naturels. And the teachings to be natural. Sans forcer des révélations. Without forcing revelations. Sinon, vous prêcherez mouiller les sacrificateurs. Otherwise, you're going to preach mosquitoes and the sans forcer des révélations. Without forcing revelations. Il faut rester naturel. You have to remain natural. Parce que Dieu communique l'onction derrière les dons qu'il a accordés aux gens. Because God communicates anointing beyond the gift he has given to men. Chaque portion de la terre de Canaan a une promesse. Each portion of the land of Canaan has a promise. Chaque don de l'esprit a une promesse. Each gift of the spirit has a promise. Shalom l'église. Shalom church. Je ne veux pas répéter, j'avance. I want to repeat myself, I'm moving forward. Aujourd'hui, je touche des points importants. And today I'm touching very important points. Israël a murmuré. Israel complained. Négligé la main. Neglected the manna. Curieusement. And curiously. Moïse a attendu le peuple. C'est le message. Moses heard the people. This is the message of today. Moïse a attendu le peuple. Moses heard the people. Allons-y, évangéliste. Let us go. Dans le verset 10. In verse 10. Je vous ai dit que le processus de la manne, je vais expliquer ça le mardi là. On va faire des chimies et des autres. Mais aujourd'hui, restons un peu naturels. Verset 10. We're going to explain on Tuesday about the process of the manna, but today we're going to remain natural. Verse 10. Moïse entendit le peuple. So Moses said, then Moses heard the people qui pleuraient, weeping, chacun dans sa famille, throughout their families, et à l'entrée de sa tente, everyone at the door of his tent. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement, and the anger of the Lord greatly aroused. Moïse fut irrité,
Et il dit à l'Éternel. Moses also was displeased, so Moses said to the Lord. Pourquoi affliges-tu ton servant? Why have you afflicted your servant? Shalom l'église. Shalom church. Shalom. Shalom church. Le peuple murmure. The people complain. L'Écriture dit. But the scripture says. Moïse attend. Moses heard. Parce que ce murmure. Because those complained. Chacun était devant sa tente. Each one was before his tent. On a besoin de la viande. We need meat. Si j'étais là, je pouvais les expliquer. If I was there, I could have explained to them. Je vais expliquer aujourd'hui. As I'm explaining today. Ils ne savaient pas que dans cette pain il y avait la viande. They didn't know that in that bread there was meat. Parce qu'un homme a pris le pain. Because a man took the bread. Et c'est ma chair. And he said, this is my flesh. Ça dit que dans le pain il y avait la viande. Meaning in the bread was the flesh. Mais ils n'ont pas compris. Yet they did not understand. Oh, meat, viande, meat. Maintenant Moïse attend. No, Moses heard. Moi je crois que Moïse pouvait seulement dire. I thought Moses could simply say, Éternel, Lord, ils ont besoin de la viande. They need meat. Mais Moïse, but Moses, fut irrité. Attends. Was displeased. Comment le pleur? How the weeping? Le cri du peuple. The cries of the people. On voit Moïse irrité. We are seeing Moses being displeased. Quel rapport y a-t-il entre les cris? What is the link between the cries? Et le visage de Moïse. And the face of Moses. Ça dit que Moïse, saying Moses, son visage, his face, explique tout un peuple. Explain an entire people. Il dit quoi? What does he say? Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel. So Moses said to the Lord. Il pas seulement irrité, mais attristé aussi. Not only displeased, but also was angry. Ça dit que dans Moïse on voit la tristesse. Meaning in Moses we see him being sorrowful. Donc si René a crié, meaning if your brother René cried, Jean Willy cried. David, Mal, tout Jérémie, Jeremiah. On verra pas ça. Yeah. We're not gonna see it anywhere else. Le visage de Moïse. But everything is going to be seen in the face of Moses. Why are you sorrowful, Moses? Dans mon visage, in my face, je porte les cris de tout le monde. I'm bearing the cries of an entire people. Et Moïse à son tour. And Moses in his turn. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Pourquoi? Moïse il dit à l'Éternel. So Moses said to the Lord. Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Why have you afflicted your servant? J'ai toujours dit que s'il n'y a pas l'explication, on prend l'encre, on efface ça. I'm always saying if there's no explanation, we take a copy and then we erase that point. You are happy. Comment Moïse? How come Moses? Le peuple pleure. People are crying. Vous êtes arrivé. The people are crying. J'ai le problème de l'argent. I need money. J'ai le problème de la maternité. I need the maternity. My life is not working well. Ces derniers temps ne marche pas. Things are not working well. This man for me. Mais on ne voit pas le visage de tous ces gens-là qui intercèdent. Yet we are not seeing the face of all those people interceding. Mais on voit ça dans le visage d'un homme. Amen. But we are seeing it in the face of a man. Pourquoi tu es triste? Why are you sorrowful? Ce n'est pas pour moi. It's not for me. Mais cette tristesse, but this for sorrowful, c'est le cri de tous les peuples. It's the cry of an entire people. Donc s'il y avait un Aaron là-bas, les autres, personne ne porterait les cris du peuple à part Moïse. No one will bear the cries of the people except Moses. Maintenant Moïse porte le fardeau. Now Moses bears the burden. Il part chez l'Éternel. And he goes to the Lord. Qu'est-ce qu'il intercède? What does he decide say? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? And why have I not found favor in your sight? Que tu as mis sur moi la charge de tous ces peuples. That you have laid the burden of all these people on me. Je veux vous dire. On peut aller, je crois. Can we move on? On peut aller. Can we continue? Les peuples crient. Les peuples crient. On a besoin de la nourriture. Food. Moïse prend ça. And then Moses takes it. Son visage devient triste. His face becomes displeased. Il parle chez l'Éternel. And he goes to the Lord. Si vous voyez Moïse triste devant l'Éternel. And if you are seeing Moses with a face of ce n'est pas lui. It's not him. Mais c'est le cri de tout le peuple. But it's the cry of all the people. Il ne parle pas dans la joie. He's not going joyful. Dans la tristesse. He goes sorrowful. Il pouvait crier. He could cry. Mais devant l'Éternel il dit. But before the Lord he says. Pourquoi je n'ai pas trouvé grâce? Why have I not found favor in your sight? Moïse c'est ton problème. Moses, is it your problem?
problem. Dis seulement que Seigneur, say only Lord, donne la nourriture à ce peuple. Give food to these people. Mais Moïse dit pourquoi je n'ai pas. But Moses goes and say, pourquoi tu me dis? Why do you say de porter le fardeau? To bear the burdens. Soyons sérieux, Moïse. Let us be serious. Qui t'a demandé de porter le fardeau? Who told you to bear the burdens? Ça dit que tous les cris, meaning all the cries, n'était pas pour les prophètes. Was not for the prophets. C'était pour celui qui est descendu en Égypte. It was for the one who came down into Egypt. Je dis que quand nous jeûnons, and I'm saying when nous we fast, prions, when we pray, Dieu ne voit pas, God doesn't see, le visage d'un homme, the face of a serf, mais Dieu voit un homme. But God sees a man qui est monté à la croix, who ascended le visage cross, triste, with a sorrowful non face, pour lui, for him, mais à cause de nous. Quand on a vu Néhémie, when we saw Nehemiah, pourquoi ton visage est triste? Why your face is sorrowful like this? Il dit, mais la ville de mes ancêtres. He said the city of my ancestors, mon peuple, my people, est dans la désolation. I in this desolation. Mais pourquoi toi ton visage est triste? But why is your face sorrowful? La folie ne comprend pas que Jésus-Christ triste à la croix, c'était pour nos cris. The foolishness does not understand that Jesus Christ sorrowful on the cross, it was for our cries. Mais Moïse dit quoi? Now, what does Moses say? Pourquoi je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux? Why have I not found favor in your sight? Que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples. That you have laid the burdens of all these people on me. J'ai toujours dit on ne raisonne pas si les Écritures. And I always say that we do not think about the scriptures. Le peuple pleure. The people weep. Mais Moïse voit que c'est le fardeau sur lui. Yet Moses sees it as a burden upon him. Moi j'ai toujours dit que dans la vie chrétienne, and I always say in the Christian life, quand les choses deviennent difficiles, when things become difficult, ne pleure pas tout en regardant une autre personne. Regarde Jésus-Christ. Do not cry looking at someone else. Parce que c'est lui qui s'est identifié à nous. Because it's him who knows how to identify himself in us. Moïse trouve ça comme le fardeau. And Moses sees it as a burden. Allons-y, ma chérie. J'explique tout d'abord l'écriture. I'm first explaining the scriptures. Verset 12. We go to verse 12 of Numbers 11. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Did I conceive all these people? Soyons sérieux. Okay, let us be serious now. Le peuple cherche quoi? What do the people want? La viande. The people want meat. Parce que il a méprisé le pain. Because they have despised the bread. Mais Moïse dit, yet Moses says, c'est moi qui ai conçu, donc il parle dans la conception. Have I conceived? He goes into conception. Moïse, Moses, quel rapport y a-t-il entre la nourriture et la conception? What is the link between food and conception? Jamais. God. Nazwa zemi alibota oyo. Did I conceive all these people? Tu es heureux parce que tu as la réponse aujourd'hui. You are a happy person because you have the answer today. S'arrête pas la parole. Est-ce que moi il est enfanté? Ah! And did I beget them? Donc, la maman qui enfante, meaning the mother who gives birth, c'est celle qui était grosse. She's the one who conceived first. Allons-y. Let us continue. Pour que tu me dises that you should say to me, porte-les sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Carry them in your bosom as a girl and carries a nursing child to the land which you have sworn to their fathers. Donc le prophète Moïse dit ceci. Now this is what the prophet Moses says. Je n'ai pas conçu. I did not conceive. Je n'ai pas enfanté. I did not beget them. Et je ne suis pas nourricier. C'est-à-dire que là, and I'm not il va jouer le rôle de sevrage. There he has to do the allaitement plutôt dans l'été. Of breastfeeding. Parce que c'est vrai, c'est dans Cana. Because the winning is in Cana. Je dois porter le fardeau. I need to bear the burden. Maintenant on se pose la question. Now we ask ourselves the question. Nous sommes allés de la nourriture. We went from food. Moïse prend la nourriture que le peuple cherche. Moses takes the food which the people seek. Il ramène ça dans le processus de la naissance de l'enfant. And he brings it in the process of a child. Il dit, c'est moi qui ai conçu. Saying, did I conceive? Qui est enfanté? Who begets them? Pour que tu me dises. So that you may say to me. Porte cet enfant. Carry this nursing child. Là, tous les enfants d'Israël étaient comme l'enfant. Meaning all the children of Israel were as a nursing child. Donc, donnez la nourriture, vous voyez. You know, giving food. Tout le monde veut devenir ministre. Everyone wants to become a minister. On ne nourrit pas. You do not feed. Si on n'a pas été. If you were
depuis l'éternité. The matter since eternity. Parce qu'on ne nourrit pas ici sur la terre. Because you do not feed here on earth. Moïse nous ramène. Moses returns. Et avant d'allaiter, that before you breastfeed, il faut avoir la grossesse. You must first have the pregnancy. Parce qu'il y a des enfants capricieux. Because there are those children who are very troisième, il a besoin de three, he wants to breastfeed. Maman, ça sera comme ça. You know, for mais la mère qui avait conçu, qui a souffert de fièvre, de maux de tête, elle a souffert dans she la grossesse. For that pregnancy. Là, le fond de mien. When the child cries, she gives. He cries, she gives. Voilà pourquoi. Reason why. Ce jour-là, on the day, Miriam attendait ce moment. Miriam was only waiting. Qui pouvait réclamer Moïse? Who only was gonna claim pour qu'elle aille chercher sa maman. She can go and sit for the mother. Parce qu'elle n'est pas allaitée Moïse. Que celle qui l'a conçue. C'est clair maintenant? Is it clear now? Ça c'est l'écriture. This is the scriptures. Ah, nous comprenons quoi? Now we understand that. Le problème de pain vient d'ici. The problem of bread or meat c'est here. Pas un petit problème de la it's not an easy problem of ça food. Ça cache tout un mystère. But it's hiding an entire mystery. Donc Moïse explique par là quoi? Now Moses explains from this. Celui qui peut nourrir. The one who can feed. Ce n'est pas lui Moïse. It's not him Moses. Parce que ce n'est pas lui qui est concerné. Ni enfanté, not begotten, pour qu'il soit capable de porter les cils son sein. So that he can be able to carry them on his bosom. Et comme le nourricier porte un enfant, and as a carrying a garden, jusqu'à Cana. Until Cana. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. To add meaning to the reading of his word. Vous voulez aussi l'explication? Do you also want the explanation? Cherchons l'explication. Let us seek for the explanation now. Job pleure. Job cries. Seigneur, Lord, pourquoi? Why? J'ai souffert comme ça. Am I suffering like this? Ma vie, my life. Je croyais avoir la réponse. I thought to have answer. Je te crains. I do fear you. Pourquoi les choses ne marchent pas? Hey, but why things are not working out? Dieu intervient. And God intervenes. Job. Quand les lionceaux crient. When the lion cubs cries, tu chasses la proie pour eux. Do you go hunt prey for them? Quel rapport y a-t-il entre? What is the link between les cris de Job, the cries of Job, et la nourriture, and the food? C'est-à-dire dans la nourriture, meaning in the food, Dieu cachait quelque chose. God was hiding something. Il a caché quoi? What did he hide? Quand Dieu est descendu dans le jardin d'Eden, when God descended in the garden of Eden, il chasse Satan. He chased Adam out. Il dit bon si je laisse le chemin de l'arbre de vie. He said if I leave the way to the tree of life, Adam va retourner. Adam will come back. Il prend le chérubin. So he takes the cherubim. Le chérubin a empêché Adam. Now the cherubim prevented Adam. Non d'aller se laver dans le jardin. Not to go back into the garden. Mais d'aller manger. But to go eat. Ça veut dire que ce que Dieu interdit à l'homme. Which mean meaning that what God c'est la nourriture was food to men. C'est-à-dire que tout ce temps, meaning all this time, l'homme pouvait manger la viande, men could eat meat, les poireaux, and leek, les concombres, and cucumbers. Mais il avait toujours faim. But still he was hungry. Parce que Dieu avait gardé la nourriture. Because God kept the real food. D'accord? Are we together? Voilà pourquoi quand Jésus-Christ, therefore when Jesus Christ ressuscite les morts, resurrects the dead. Les morts ressuscités. The dead came back to life. Donnez-les à manger. He said, give him food. C'est quoi? Meaning, c'est lui qui est venu remettre à l'homme la nourriture qu'il a perdue depuis la terre. It's him who came to return to the man the food that he lost since the Garden of Eden. C'est-à-dire les cris d'Israël. In the cries of Israel. Ça représentait les cris de l'humanité entière. Representing the cries of the humanity. De l'humanité tout entière. The entire humanity. Soupirait. Was crying. Et cherchait la vraie nourriture. Seeking for the real food. Voilà pourquoi je dis quoi. Therefore I'm saying si Dieu a enseigné à Job. If God taught Job la nourriture, food, parce que c'est ce que l'homme manquait. It's what man was lacking. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. C'est pas pour rien. It's not for nothing. Quand Satan est venu vers Jésus. When Satan came toward Jesus. Premier test. The first test. La nourriture. Food. Parce qu'il savait que
C'est ce qui manque à l'homme. Because he knew this is what men lack. Si vous voyez le monde aujourd'hui dans la souffrance, parce qu'il nous manque la nourriture. If you see the world today in suffering, it's because they are lacking food. Mais curieusement, curiously, le pain est là. The bread is there. Les gens méprisaient le pain. Yet people despise the bread. Ils ont poireaux, des concombres qu'ils ont mangé. To remember the leek, the onions and the cucumbers they ate in Egypt. Ça n'a pas la vie. Which has no life. Tout le faux enseignement qu'on a reçu là-bas. All the false teaching we received. Comme ça ne descendait pas du ciel. Because it will not descend from heaven. Ne pouvait pas donner la vie au monde. Could not give us life. Quand les enfants de Jacob descendaient en Égypte. When the children of Jacob descended into Egypt. Pour chercher la nourriture. To seek for food. Vous croyez que dans Canaan il n'y avait pas la nourriture? Do you think in Canaan there were no food? Il y avait la nourriture. Yes, there were food. Mais cette nourriture là, that food, ne pouvait pas enlever la mort. Could not remove death. Parce qu'il y a des brochures, il y a aussi des nourritures. Because even in the branches they have food. Dans les catéchismes il y a aussi des nourritures. Because the catechists they have food. Mais cette nourriture là, yes, c'est du fait de la manne qui descend du ciel. Parce que la manne qui descend du ciel connaît chaque enfant des enfants d'Israël. Knows each of the children of the Israel. Et cette manne, and in that manne, il y a le miel. There's honey. Au miel c'est d'Akana. Yet honey is manne. Il y a la vie dans la parole. There is life in the word. Mais le pain était là. Yes, the bread were there. Les gens l'ont rejeté. And the people rejected. Voilà comment ils ont rejeté. Now this is how they rejected. Je suis le pain descendu du ciel. I am the bread descended from heaven. Celui qui me mange, the one who eats of me, mange ma chair, eats my flesh. C'est-à-dire, it means la viande qu'il cherchait, the meat they were seeking, se trouvait dans le pain, was found in the bread. Donc ils cherchaient la viande alors que la viande se trouvait dans le pain. They were seeking for meat, yet the meat was in the bread. Parce que Jésus-Christ prend le pain. Because Jesus Christ takes the bread. Il dit, c'est ma viande. He says this is my meat. C'est ma chair. It's my flesh. Mais Israël a rejeté. Yet Israel rejected it. Je dois vous dire qu'ils avaient raison de rejeter. I'm telling you they had the right to reject. Peut-être vous ne serez pas d'accord, mais je vais vous le prouver. Maybe you're not gonna be okay with me, but I'll show it to you. Tu ne peux pas manger la chair qui n'est pas préparée. Because you cannot eat meat that has not been cooked. Donc quand Jésus-Christ mangeait là-bas, meaning when Jesus was walking, c'était la chair bien sûr. It was indeed the flesh. Mais on attendait. Yes, they were waiting. Parce que même Pierre aussi l'avait pas encore mangé. Because even Peter did not eat of it. On attendait que la chair monte à la croix. They were waiting for the flesh to parce que la croix c'est le feu. Because the cross is c'est le feu. It's the fire. Vous m'attendez? Do you hear me? Vous me comprenez? Do you understand? Les cris du peuple. The cries of the people. Moïse s'est effacé. Moses erased himself. Je dis aux prédicateurs qui me suivent que personne ne peut nourrir le peuple si ce n'est que Dieu. I'm saying to all the preachers following me, no one can feed the people if God alone. Voilà pourquoi nous disons le ministère, c'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Therefore we say the ministry is not a man, but God himself. Moïse dit, moi je ne suis pas capable. Moses said, I am not able. Je ne suis pas capable. I'm not capable. Il s'arrête pas là-bas. He does not stop there. Verset 13. Verset 18. Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Où? Where am I to get meat to give all these people? Je réponds à Moïse. And I'm going to answer to Moses. Ne va pas dans la théologie. You're not going to theology. Ni dans les brochures. Or in the branches. Ne va pas. Faut pas aller là-bas. Do not go there. Parce que beaucoup de gens prêchent comme ça. Because this is how many people preach. The wilderness of Paris. Définition étymologique. No, the definition. Désert, wilderness, vient du grec, comes from the Greek word. N'allez pas chercher la nourriture là-bas. C'est simple. It's simple. Quand le vent va s'élever à l'Orient, ça va se croiser avec le vent du midi. The nuées, the clouds, vont recevoir l'ordre de laisser couler la nourriture. Who received the command to release food? Moïse pose la question où? And Moses asking the question where? Faut pas aller là-bas, do not go there, Moses. Ce n'est pas par la force d'un homme. It's not by human strength. Qu'est-ce que Dieu a répondu à Moïse? What did God answer to Moses? Moïse dit quoi? Il dit quoi? What does Moses say? Verset 13. Verset 13, continue. Où prendrai-je? Où prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples? Where am I to get meat to give to all these people? Verset 14. Now we go to 14.
Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. I'm not able to bear all these people alone because the burden is too heavy for me. Évangéliste, je ne sais pas si vous avez bien ici. I don't know, evangelist, if you understood that. Quand moi kilo et vous savez, il n'y a pas de problème avec kilo. Where is the problem with heavy? Because the kilo, because the people only want food. What is the pressure? Then maintain that. Si l'objectif est de nous assembler, especially in our assemblies, on nourrit pas n'importe qui, mais on nourrit les lionceaux. When you don't feed anyone, but you feed the lion's calf. Pour qu'ils disent amen, il faut qu'ils voient le sang. Oh, then we say amen, they must see blood. Tu viendras ici. You can. Vous ne voulez pas dire amen. No, you don't want to say amen. Vous êtes fanatique de. No, you are fans of this. Donc c'est pas la nourriture. You are feeding people. Vous allez dire amen. You must say amen. Critiquer les autres. Mais la foi, c'est la révélation. Faith is revelation. Mon juste vivra par la foi. The righteous will live by faith. Parce que la foi est révélée. La justice de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est la révélation. Jesus Christ is the revelation. La nourriture, the food, c'est pas facile. It's not easy. Vous allez voir quelqu'un qui prêche. You see someone preaching. J'ai vu ça à Kasama au Katanga. The prophet saw it in Katanga. Un pasteur avec les papiers. A pastor with a paper. Comme les frères des assemblées de cette à cette époque-là étaient vraiment. Quand le pasteur a fermé les yeux, ils ont pris les papiers. And back in the days, j'ai vu le chose de prier à Kasama. Et le pasteur a cherché les papiers. The paper. Where he prepared his sermon. Where is Konora la nourriture? And then they stop asking, where are we going to find food? Pas forcé. You do not have to force. La main de l'Éternel est là. The hand of the Lord is here. C'est la main. Because the hand. Vous comprenez la main? Do you know the hand? Vous comprenez pas la main? Do you know the hand? Écoutez, Job dit ceci. This is what Job says. Dieu. God. Il n'y a pas d'arbitre. Is there no referee entre toi et between moi? You and I. Pour qu'il mette sa main. So that he can lay his hand. Non, pour Jean. Not for Joe. L'arbitre ne peut pas siffler. The referee cannot whistle. Mais il mettra seulement la main. The referee has to put his hand. C'est la main qui va arbitrer. And it's the hand that will Jean. Between God and Joe. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Who acknowledged the hand of the Lord? Non, Jésus Christ. Jesus Christ. C'est la main. Is the hand qui est venu réconcilier Dieu et l'homme. To reconcile God and man. Dans le ministère, c'est ça. Meaning the ministry. C'est l'arbitre. Is the referee. Très bien. Moïse ne te force pas. Moses, do not force yourself. Ça viendra. It will come. Je n'ai pas encore répondu. Hein? I have not answered yet. Nourriture, c'est concevoir, enfanter. Food, it's a conceiving. Je n'ai pas encore répondu. Giving birth. I'm going to finish with the study of the scripture and then I'm going to preach it. 10 minutes. Let's finish. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Hein? Je te dis. If you treat me like this, please kill me here and now. What does Moses say? Tue-moi. Kill me. Moïse efface. Moses, he raises it. Une pensée prophétique. There is a prophetic of God. Moi, Moïse. I, Moses. Je ne peux pas nourrir les peuples. I can't feed the people. C'est trop pesant. It's too heavy. Tuez-moi. Kill me. Vous dites que quand je serai tué, meaning when I'll be killed, le peuple aura la réponse. You have an answer. Tuez-moi. Kill me. Mais j'attends les gens aujourd'hui. Yet I'm seeing people dans ce temps de la fin. In this time of the end. Dieu nous a envoyé un prophète. God has sent us a prophet. Un prophète. A prophet. Qui est ce prophète? Who is this prophet? C'est celui qui est mort. He's the one who died. Pour que le peuple trouve l'amour. So that the people can have food. Parce qu'à part lui. Because besides him. Jean Willy ne peut pas porter le fardeau du peuple. Jean Willy cannot bear the burden of the people. Prince ne peut pas porter. Prince cannot bear the burden. Ni Jason. No Jason. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que Robert aussi a ses fardeaux. Because the Robert also has his own burden. Voilà pourquoi en Israël. Reason why in Israel. Pour que l'agneau soit donné. For a lamb to be given. Il faut qu'il soit sans défaut. He must be without defect. Qui n'a pas porté le fardeau? Who did not bear any burden? Oh, depuis que nous sommes nés en Adam. Yet since we were born in Adam. Le péché que nous portons c'est le fardeau. The sins that we carry is the burden. Donc personne ne peut porter le fardeau de l'autre. Therefore no one can bear the burdens of sin. Celui qui est sans fardeau. Besides the one who's before the burden. Celui qui est sans fardeau. The one before the burden. Celui qui a dit. Is the one who said. Moi. In me. Qui me convaincra du péché? Who can convince me of sin? Parce que lui était sans. Because he was before the burden. Et sans fardeau. And without any burden. Moses, tuez-moi. Moses said, kill me. Je me souviens encore de lui. And I remember again Elijah. Quand il fouillait. When he was
suis pas meilleur que mon père. He said, I'm not better than my father. Tue-moi. Kill me. Il faut que l'homme se fasse. The man has to raise himself. Dieu permettra que nous arrivions dans des moments difficiles. God will allow us to reach difficult times. Pour se sentir inutile pour que sa grâce soit manifestée. God will allow us useless for His grace to reveal itself. Il y a des fois nous pouvons jeûner. Sometimes we can fast. Dieu répond. God answers. On prie. We pray. Il répond. He answers. Mais quelques fois aussi. And also sometimes. On prie. We pray. Rempli de l'onction. Filled with anointing. Il n'y a pas la réponse. No answer. Dieu veut que tu m'aimes. God wants you to raise yourself to God. Que tu comprennes que si toutes ces choses arrivent, if these things happen, ce n'est pas ma faveur. It's not on my favor. Ni ma force de prier. No, my strength of mais praying. C'est la grâce du Seigneur. But it's the grace of the Lord. C'est la leçon que Dieu nous donne dans les déserts. And this is the lesson God is giving us in the wilderness. Tout le monde a compris? Can all understand? Je veux maintenant prêcher parce I'm not going to preach. J'ai répété seulement le verset. I've only repeated je the verse. Dans quelques minutes. And I'm going to preach in few minutes. Vous êtes? Ah. Are you there? Dieu veut maintenant répondre. Now God wants to answer. Il veut répondre à la question de nous voulons la viande. He wants to answer to the question of we want meat. Nous sommes fatigués du pain. We are tired of bread. Dieu veut maintenant répondre. God wants to answer to that question. Verset 16. We go to verse 16 of Numbers 11. L'Éternel dit à Moïse. So the Lord said to Moses, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël. Gather to me 70 men of the elders of Israel. Et ceux que tu connais comme anciens du peuple. Whom you know to be the elders of the people. Et ayant autorité sur lui. And, c'est ça. Oui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. And officers over there, bring them to the tabernacle of meeting that they may stand there with you. Je descendrai. Then I'll come down. Et là je parlerai. And talk with you there. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. And I'll take of the spirit that is upon you. Et je le mettrai sur eux. Attends, and I'll put the same upon them. Le peuple a besoin de la viande. The people want meat. Parce qu'ils sont découragés du pain. Because they are discouraged of the bread. Qu'est-ce qu'ils réclament? What do they want? Qu'est-ce que le peuple réclame? What do they want? La viande. They seek for meat. Ils n'ont pas besoin du pain. They don't want bread. Ils crient. And they will cry. La famine. Famine. Maintenant, Dieu pour répondre. Now for God to answer. Tout ce temps-là, because all this time, tout ce qu'on a attendu là-bas, everything we heard, c'était l'intercession de Moïse. It was only Moses. Maintenant, Dieu lui-même était ça. Now God Himself descend. J'aime quand Dieu parle. I love when God speaks. J'aime que Dieu répond. I love God to answer. Moi, je crois que Dieu pouvait dire. I thought God would say. Moïse. Moses. Je veux prendre cette viande. I'm going to take this meat. Je vais multiplier avec ça. And I'm going to multiply. Voilà la réponse de Dieu. But this is the answer of God. Choisis 70 hommes. Choose 70 men. Sortez avec eux. And go out with them. Dans la tente. And go in front of the tabernacle. Mais comment c'est Dieu commence à répondre? You see how God is answering. Il dit moi-même. He said, I alone. Je descends. I will come down. Quand je vais descendre, and when I'm going to come down, parlerai. I'm gonna speak. Je prendrai l'esprit qui est en toi. And I'll take the spirit that is upon je mettrai dans les 70. And put the same upon donc la réponse pour Dieu. Meaning the answer for God. Il faut que lui-même descende. He alone has to come down. Pas seulement descendre. Not only to come down. Prendre l'esprit qui était dans Moïse. And take the spirit that is upon Moses. Les 70. And put it upon the 70. Pour qu'ils soient capables de porter les fardeaux. So that they can be able to bear the burden. Quand j'ai posé apôtre prince les mains. When I lay my hands on apostle prince. C'est Dieu qui a mis l'esprit dans lui pour qu'il soit capable de porter les fardeaux. It's God who laid the spirit in him so that he can be able to bear quand the burden. Quand j'ai posé. When I lay les my hands. Dr. Jason. C'est pas pour qu'il soit star. It's not for him to be a superstar. Ministère, ce n'est pas devenir star. A ministry is not to become a star. Ministère, c'est le fardeau. But the ministry is the Dieu doit prendre l'esprit. He has to take the spirit. Qui est dans lui. Répandre sur les gens. And pour, upon pour que la famille du peuple trouve la solution. L'homme criera. The man will cry. Tout le reste de sa vie. All the time of his life. Mais la solution. But the solution. Dieu est descendu. God came down. Je veux voir ça. I want to see parce que tous ces temps. Because all this il y avait que Moïse seul qui avait l'esprit. Only Moses alone had the spirit. Dieu n'avait pas l'esprit. Peter did not have the spirit. Mais Jean. No John. Thomas. No Thomas. Et André. No Andrew. Mais Dieu. But God.
Il ne pouvait pas venir jusqu'à Cape Town. He could not come alone until Cape Town. Le fantôme des gens. And the burdens of pour répondre au cri. To answer to the il a pris l'esprit qui était dans lui. He took the spirit that was il a répandu ça. Point. Pour que nous soyons capables de porter le fantôme avec nous. So that we can be able to bear the burdens with him. Porter le fantôme veut dire quoi? To bear the burden. Donner au peuple la nourriture. Giving the people. Qui va ôter le murmure dans son cœur. Their je suis contre les prédicateurs intellectuels. I'm against intellectual. Les gens n'ont pas besoin de l'intellectualisme. And the world does not need your intelligence. Quand je parle de prédicateurs intellectuels, I'm speaking of intellectual. Un orateur éloquent. And a preacher. Quand il parle, but when he speaks, ça reste aux oreilles. It's la famille de l'homme the family of ne réside pas aux oreilles, it's not in mais the dans le cœur. Le message doit toucher le cœur. Amen. Amen. And this is what the sister Ruth said. Pourquoi je trouve grâce à tes yeux? Why have I found favor in your sight? Pour que tu parles à mon cœur. That you may speak to my heart. Quand Dieu parle, when God speaks, on doit l'attendre dans mon cœur. We have to hear him in our hearts. Parce que c'est là que se trouve le vrai problème de l'homme. Because that's where the real problems of men are found. L'église est remplie des hypocrites. Church filled with hypocrites. Les gens incapables de pardonner. People unable to forgive. Incapables de marcher dans l'amour. And unable to walk in love. Incapables de supporter les sacrifices pour Dieu. Unable to bear the sacrifices for God. Quelqu'un m'a posé la question. Someone asked me the question. Alors les gens qui ne donnent pas les salaires des hommes de Dieu ne seront pas sauvés. Now the people who are not who do not give the wages of the men of God. Mais frère, will not be saved. Brother Paul is clear. Il dit, je vous ai fiancé. He said, I betrothed you. Présenté devant le Seigneur. To present you before the Lord. Comme une vierge pure. As a virgin pure. Non vierge pure. Not impure. On peut être vierge mais pure. You can be virgin but unclean. L'égoïsme c'est l'impureté. You know, being stingy is impure. It's uncleanness. God is pure. When you are unclean. Dans le lieu du travail, il y a des taxes. Vouloir ou pas, on coupe. In your workplace, there are taxes that you pay, whether you want it or not. Mais Dieu qui vous donne l'emploi. Yes, the God who la gives force, you job, the strength, la respiration, the breath of life. Quand l'homme touche l'argent, when the man receives his wages, il met ses intérêts avant. He only put his interest first. Tu es une vierge? Are you a virgin? Ah oui, mais yes, but unclean. Amen. Dieu permet les tests. God allow the tests pour voir s'il y a encore le murmure dans nos cœurs. To see if there is still complaints in our hearts. Là, je savais qu'il n'y aura pas de ça. I knew there won't be a man to this. Je savais avec les étendards comment une église de plus de 120 membres, il y a 30 personnes qui donnent le salaire chaque mois. J'ai compris qu'on a encore des frères et sœurs incapables de comprendre la doctrine. La doctrine, ce n'est pas ce que les gens parlent. La doctrine, c'est la vie de Dieu dans l'âme. Amen. L'amour de Dieu dans nos cœurs. I spoke with the ushers and they told me I've seen only 50 people give the tithes. And I asked myself the question, how come a church of more than 100 people, but only 50 people? People do not understand the doctrine of Christ, which is the love of God in our hearts. Les gens qui disent, les choses sont devenues très difficiles. People saying things have become difficult. Mais Dieu te teste. Yet God the test you put into trial. Maman est tombée your malade. Mother falls sick. L'homme se force, même s'il a pas l'âge. And the man forced himself on the other side. Cet homme n'est pas fidèle. This man is not paying le loyer. Pay rent. Les choses ne marchent. No, things are not working well. Mais le petit frère est malade. But your young brother is sick. Vous attendez quel ciel? Which heaven are you expecting? Il y a encore le murmure dans le cœur. There is still complaints in our hearts. Il faut que l'esprit t'accorde la réponse à toutes tes questions. The spirit has to give you answer to all your questions. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Écoutez-moi très bien. Now listen to me. Qu'est-ce que Dieu dit? What does God say? Je vais descendre. I'm going to go down. Et quand Dieu descend, il y a l'esprit. And when God descends, there is the spirit. Qu'est-ce qu'il fait? And what does he do? Il va prendre l'esprit. He takes the spirit qui était dans Moïse, which went upon Moses. Le répandre parmi les anciens. And pour laid on the elders. Tout cela c'est pour répondre à quoi? And all this is to answer to what? Jusqu'à là, on a toujours le problème de la famille. Until now, we have the problem of family. Je ne comprends pas. I don't understand. Si on pleure aujourd'hui, if we cry today, quelqu'un qui n'est pas stable, someone who's not stable, je vais vous dire une chose. I'm going to say to you something. Jésus-Christ avant de donner la nourriture, Jesus Christ before giving food, il a ordonné aux apôtres. He gave a command to the apostles. Faites-les asseoir. Vous savez pourquoi? Make them sit. You know why? Quelqu'un qui est affamé est toujours debout. Someone who's hungry is always standing.
Il est toujours debout. He's always standing. Les choses ne marchent pas. Things are shocking. Il est toujours debout. He's still upright. Mais Jésus Christ quand il donne la nourriture. But when Jesus Christ gives food, faites-les à soi. He said, make them sit. They sit. On marche dans la paix parce qu'on est assis. Because we are seated. Et si les gens sont instables aujourd'hui? And if people are unstable today? Parce qu'il y a encore les murmures dans leur cœur. Because they still have complaints in their heart. Mais la nourriture que Dieu donne. Yes, the food God gives. C'est différent de la manière que le monde donne. It differs from the way the world gives. UNICEF peut envoyer la nourriture. UNICEF can send food. Ça ne terminera jamais la famine de l'homme. It will never finish the anger of men. Mais Jésus-Christ a dit à la femme. But Jesus Christ said, l'eau que je te donne. The water I will give. Deviendra une source. Become a stream of water. La sœur là comme elle était enseignée, elle a dit. And the sister, because she was taught, she said, donne-moi pour que je ne vienne plus. Give me so that I may not come again here. Donc quand Dieu répond au besoin de l'homme dans son cœur, l'homme trouve le repos. When God gives an answer to the problem of man, the man found the rest. Écoutez ce que Dieu dit. This is what God said. Listen, evangelist, assieds-vous. Evangelist, sit down. Je cours pour terminer. I'm running to finish. Écoutez ce que Dieu a fait. Listen to what God says. Vous êtes? Are you there? Répondre, he wants to answer, isn't it? Moïse écrit le nom. And God answers the name. He writes the name. He writes the name of the elders. Il sort avec les anciens. And he goes out with all the elders. C'est qui fait tourner. What astonished me? Là, je vais monter un peu quelques degrés. Here, I want to go a bit some degree higher. Bien que je suis dans le campement, je reste doctrinal, mais cela ne m'empêche d'entrer dans ma chambre. And although I'm busy with the encampment and I have to be doctrinal, but that doesn't prevent me to eat our chambre. Israël a vu Moïse sortir avec les anciens. All Israel saw Moses going out with the elders. 1, 2, 3, 20, 70 of them. Il sort avec où? Where does he go out with them? Hors du camp. Out of the camp. Parce que là en Israël, because they in Israel, il y a des murmures, they are complaining, il y a des cris, they are crying. L'esprit ne descend pas. The spirit does not descend there. Alors hors du camp. Let us go outside the camp. They went out of the camp. Et Dieu est descendu. And God came down. En tout cas, supportez-moi ici. Now please bear with me. I said here I want to ascend the bed. Moi je croyais que Dieu avant de descendre. I thought God before descending. Il pouvait compter le nombre de gens. He would have counted the number. Oui, il avait compté. Yes, he counted them. Ils étaient combien? How many were there? 70. 70 of them. 70. 70. Le Saint-Esprit est descendu. The Holy Spirit came down. Ils ont commencé à prophétiser. And they started to prophesy. Serge, on a besoin de la nourriture. We need food. Mais le Saint-Esprit est venu faire quoi? But what does the food have to do with la the Holy Spirit? La vraie réponse pour le cœur de l'homme, c'est le Saint-Esprit. The genuine answer for the problem of man is the Holy Spirit. Il n'y a que le Saint-Esprit. It's only the Holy Spirit qui terminera who will finish le murmure dans le cœur. The complaints in the hearts of people. Et ils étaient en train de prophétiser. And they were there prophesying. Curieusement, curiously, quelqu'un est venu. Moïse, someone came. Moses, Moïse, Moses. Tu es ici? Are you here? Il y a les autres qui sont dans le camp. Ah. There are others in the camp. Quand est-ce que Moïse les a laissés? When Moses left them, en train de prophétiser, prophesizing. Aujourd'hui, aux gens, I always said to people, quand vous limitez Dieu dans votre assemblée, when you limit God, vous n'êtes pas enseigné. Vous ne connaissez pas comment est-ce que Dieu travaille. You don't know how God works. Nous pouvons nous voir ici. We can see ourselves c'est here. Nous qui avions commencé. It's us who nous sommes sortis avec Moïse. We came out with Moses. Attention. Be careful. Dieu permet qu'il y ait toujours un reste. God always allows to be a remaining. C'est comme je vous ai dit. I said to you on the, I mean, back in the day. Job n'était pas israélite. Job was not an Israelite. Et Dieu ne pouvait pas demander la permission à Jacob. And God could not allow. Give permission to Jacob pour se révéler à Jean. To reveal himself to Jean. Il s'est révélé à Jean. He revealed himself au même to temps qu'il parlait avec Jacob. In the same time he was speaking with donc, Jacob. Dieu pour se révéler à un peuple. Meaning for God to reveal himself to a people. Il n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. He does not have to ask permission to anyone. Il y a d'autres débats que les gens font aujourd'hui. There are some debates people are doing today. Vous attendez seulement les gens faire les débats pour comprendre qu'ils ont besoin du service. You hear people debating and you understand that these people need the Holy Spirit. Qui a prêché les sept soirs avant? Who preached the seven seals before? The first. C'est Jésus. It's Jesus. Amen. Qui a prêché les sept semaines avant? Who preached the 17 weeks before? C'est l'ange Gabriel qui a expliqué à Daniel. It's the angel Gabriel who explained to them. Bon, bon. Qui a utilisé le mot évangile éternel avant? Who used that word? Everlasting gospel the first. Revelation 14. Revelation 14. Qui a parlé de la sainte doctrine? Avant, c'est frère Paul. Paul. Qui a parlé de la doctrine? Who spoke of
vérité. Useless debate. Parce que quand l'esprit descend, il ne respecte pas l'ordre que vous avez établi. He does not respect the order you have established. Ils étaient là. They were there. Ils croyaient qu'ils ont 70. They were thinking they were 70. Yes, yes. En tout cas, je ne peux pas laisser comme ça. No, I cannot leave it like this. Même Christ va attendre. S'il veut descendre maintenant. Even Christ will wait. Il attend que je termine l'explication. Let me finish the explanation. Après cela, il pourra le faire. Je dis qu'il attend un peu. I say let him wait a bit. Pour laisser l'explication. Ah, you want to explain? Comment Moïse? How Moses, avec le Saint-Esprit, with the Holy Spirit, il ne savait pas qu'ils étaient complets. He did not know that they were not complete. Mais quelqu'un dit, Moses, il y a deux. There are two. C'était pas trois. Not three. Quatre. Not four. Cinq. Not five. Deux. Il y a deux. There were two remaining. Il y a Moïse. And the other said to Moses, empêchez-les. Moses remained quiet. Il était prophète. Because he was a prophet. Il prophétise. He prophesied and said, Dieu veut que tout Israël soit composé de prophètes. All Israel to be made of prophets. Où est mon problème? Where is your problem? C'est que Israël aura l'esprit de la prophétie. Meaning Israel will have the spirit of prophecy. From the two. Aujourd'hui, nous prophétisons avec Dieu. You're going to be like all those trichers. Je dois vous donner une autre boulet. I'm going to give you another color. Que vous soyez différent des trichers. Be different from the trichers. Un tricher peut tricher et répéter. Mais il y a des propriétés. But they are owners. Je vais avancer. Quand Élisée rentrait avec Élie, when Elisha was coming back with Elijah, il arrive dans Jéricho. Jéricho avait des problèmes. Jéricho had problems. La solution pour Élisée c'était quoi? And the solution for Elisha, il a cherché vase. He went vase neuf. He went and bought a new vessel. New what? A new vessel. Qui n'était pas utilisé, which was never used. Donc la solution pour Jéricho c'était quoi? Now the solution for Jericho was vase, a new vessel qui n'avait never been used. Il prend ça, and he takes it. Il met le sel, he put salt. Il part dans la source. He goes to the stream where there was bitterness. C'est la mort que vous voyez, c'est commencé en Adam. Because the death that you are seeing started from Adam. Il part là, and he goes to the stream. He casts. Mais quand il traverse de l'autre côté, that's when he crossed on the other side. La veuve, he found the widow. Qui avait aussi des problèmes? Who also had a problem? Quel problème? Which problem? On était venu. No, they came. La malmenée à cause de dette. Because of debt, they wanted to take. Mais cette veuve là. No, that widow. Elle n'a pas de vase neuf. She does not have a new vessel. Elle n'a pas de vase qu'on avait commencé à utiliser. She has vessel that we already used. Mais puis quantité d'huile est restée. But a bit of oil remained. Jésus Christ pour nous sauver. Jesus Christ to save us. C'est lui le vase neuf. Is him the genuine vessel new? Où à la croix? Whereby on the cross. Il a été utilisé. He was used for notre vie. For our life. Mais Israël. But Israel. Le vase n'est pas neuf. The vessels are not new. Parce que Moïse a commencé à se servir de vase. Because Moses already started to make use of the vessel. Sauf qu'une quantité d'huile est restée. But only a bit of oil remained. On attendait le retour de Christ. Pour multiplier cette huile là, afin qu'Israël soit racheté. Exactement ce que je veux dire. Exactly what I'm saying. C'est-à-dire d'un côté, meaning on one side, il y a l'esprit. There's the spirit. De l'autre côté aussi, on the other side also, il y a l'esprit. There is the spirit. La réponse, the answer, au cri de l'homme, to the cries of people, c'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Merci. Je peux prêcher. I can preach. Mais si ce message ne baptise pas les gens par le Saint-Esprit, il y aura toujours des murmures dans le cœur. But if the message does not baptize people of the Holy Spirit, there will always be complaints in their hearts. C'est pas pour rien nous avons vu des pasteurs. Reason why we have seen pastors. Il prêche bien mais c'était païen. He preached but yet a pagan. Ne cherchait pas autre chose. Do not seek for anything else. C'était un prédicateur intellectuel. He is an intellectual preacher. Il a bloqué des versets. He just memorized. Mais son cœur est vide. Yet his heart is empty. Pastor. Et
Est-ce l'église de Pérou me comprend? Does the church of Pérou understand? Est-ce l'église de Pérou me comprend? Does the church of Pérou understand? On peut entrer dans des jeunes de prière. We can enter prayer and fasting. On sort. And come out. Mais le vrai problème de l'homme. Yes, the general problem of man. Est que le Saint Esprit is that the Holy Spirit vient dans sa vie. I mean, comes dwelling in his pour heart. Répondre aux besoins de l'homme. To answer to the problems of man. Le murmure de l'homme. The complaints of man. Aujourd'hui, today, on discute avec la femme. You dispute with avec your wife, son mari, with the husband. Demain, les choses vont marcher. Tomorrow things work. And then the next day, the misunderstandings. Then things work. C'est la vie de l'homme. That's the life of man. That's it. Sans le Saint-Esprit. Yet before the Holy Spirit, y a pas l'amour dans les there's no love in the heart. Sans le Saint-Esprit, before the Holy Spirit, les murmures vont continuer. The complaints will continue. Donc Dieu, now God, pour répondre aux murmures de l'âme, to answer to the complaints of lui-même est descendu. Him alone came down. Il a versé le Saint-Esprit. And he poured out his spirit. Et quand le Saint-Esprit nous a répondu, and when the Holy Spirit was outpoured on us, le Saint-Esprit a versé l'amour. The Holy Spirit to pour the love in us. Le Saint-Esprit a fait que l'homme ne vive plus selon lui-même. The Holy Spirit made the man not to live according to himself. Vive selon Dieu. But to live according to God. Je dis aux gens qui prient sans réponse. I'm saying to people who are praying without answer. Tu ne peux pas combattre seul. You cannot fight alone. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. You need the baptism of the Holy Spirit. Amen. On termine là-bas, évangéliste. Are we going to end here? Lisons. Let us read. D'autres choses là, c'est pour le mardi. And the remaining is for Tuesday. Prenons Romains chapitre 6. Let us go to the book of Romans chapter 6. Non, 5 plutôt. Romains 5 verset 5. Romans chapter 5 verse 5. Je veux vous donner un message très simple mais qui va changer la vie de beaucoup de gens. I want to give a message very simple that will change the life of many people. Allons-y, Romains 5 verset 5. The book of Romans chapter 5 verse 5. Or l'espérance ne trompe point. Now hope does not disappoint. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, meaning the Holy Spirit, répond à toutes ces questions. Regardez. Answer to all these questions. C'est moi qui ai conçu. I'm the one who conceived. C'est moi qui ai enfanté. Did I beget them? Pour allaiter. For me to breastfeed. Pour porter ce fardeau. And bear the burdens. Ça dit la nourriture, le cri de la nourriture. The cries of meat. C'est ça le cri de l'humanité. That is the cry of the humanity. Or pour marcher avec Dieu. Now for you to walk with God. On a besoin que les murmures soient réparées dans nos cœurs. The complaints to be treated in our hearts. Or la seule chose. Now the only thing qui répare that the treat or repair dans les cœurs de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Complaints in the hearts of men is the Holy Spirit. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. I don't know if you can understand. Les apôtres qui marchaient avec Jésus. The apostles who walked with Christ. Ils ont vu les miracles. They saw miracles. Ils ont vu Lazare ressuscité. They saw Lazarus coming back to life. Quand on est venu arrêter Jésus, but vous savez pourquoi? When they came to arrest Jesus, they all ran away. Ils ont vu pourquoi? Do you know why they ran? Ils étaient charnels. They were fleshly, carnal. Je suis prédicateur, ça fait 35 ans. Ça no, I'm a preacher for about 35 years. What does it mean? Je prêche, ça fait 40 ans. Ça me dit quoi? I preach for 40 years. What does it mean? Même Pierre qui était avec Jésus comme ça. Even Peter was with Jesus like this. Mais il a fui. He ran away. Vous savez pourquoi? Do you know why? Sans le Saint-Esprit. Without the Holy Spirit. J'ai fait 20 ans dans l'Assemblée de Saint. I've 20 years in the Assembly of Saints. What does it mean? Ça ne résout pas les problèmes. That does not solve your problem. Frère Pierre, frère Paul a rencontré les gens. Brother Paul meet people. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Did you receive the Holy Spirit? Parce qu'il savait que la réponse de l'homme c'est le Saint-Esprit. Because he knew the answer of man is the Holy Spirit. Vous acceptez ce message? Do you accept this message? Les murmures continueront dans nos cœurs. The complaints will continue in our hearts. Tant que l'homme marchera seul. As long as the man will walk alone. Ce monde est rempli de murmures. Because this world is filled with complaints. Et on dira amen. Once we say amen, we walk out of this place. Commence. The complaints will continue. We stop. Transport. Ah, transport. Il n'y a pas le courant à la maison. Ah, there's no power at all. Ah, je dois acheter le courant. No, I need to buy. C'est la vie de l'homme. This is the life of man. Mais sans le Saint-Esprit. But before the Holy Spirit, on va murmurer juste. Complaints, de la vie. Complaints,
until the last day of our lives. Si vous croyez qu'être en Europe ça va résoudre les problèmes, vous vous trompez. If you think going into Europe will solve your problems, you are lying to yourself. Beaucoup de gens négligent tout. Because many people neglect everything. Parce qu'ils veulent voyager aux États-Unis. Because they want to travel into the United States. Aux États-Unis aussi les mille qui vous. Even there, there are complaints awaiting you. There's no amen to this. Les célibataires croient qu'en tout cas, quand je vais me marier, you know, single people actually as a thing that people get married, everything will finish. In the intimate. La femme que vous voyez extraordinaire. That woman that you're seeing extraordinary. Pour le jour. If you wake up with her, si tu n'es pas délivré, if you're not delivered, elle ne sera plus extraordinaire. She will no longer be extraordinary. Se marier, ce n'est pas la délivrance de la médecine. To get married is not to be delivered from a fornication. Le frère que vous voyez extraordinaire. That là, brother that you're seeing extraordinary. Après 7 mois, il devient normal. He becomes normal. Le cœur de l'homme. The heart of God. Rien de bon sans les Saint-Esprit. Comment je peux supporter mon épouse? How can I bear my spouse? Quand elle commet des erreurs? When she commits mistakes? Si je n'ai pas les Saint-Esprit. If I do not have the Holy Spirit, j'aurai toujours des réunions. I'll always have problems. Now, 2015. No, in 2015. C'est ce que toi tu m'as fait. This is what you did to me. Si je t'avais pas aimé. No, if I did not love you, on ne pouvait pas être là. We plan to be here. Tu sais les lundis? You know on Monday. C'est que tu sais ça. This is the Holy Spirit. Saint-Esprit est là. But when the Holy Spirit is here, he nous amène à vivre comme Dieu. On peut supporter les faiblesses des autres. Est-ce un genre de ton père? Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, but if there is no Holy Spirit, la sœur ne peut pas supporter le problème. The Spirit will not be able to bear the problem of the brother. Parce que les hommes mariés sont les plus désordonnés. Because married husbands are the ones that is older. Jette là-bas. He takes the best task. Tu n'as pas fait ça. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ministers of the world follow me from afar and those present here. Nous ne pouvons pas être plus que Jésus-Christ. We cannot be more than Jesus Christ. Jésus-Christ, le propriétaire de l'église, a dit. Jesus Christ, the owner of the church, said. Peter, Jean, John, Thomas, André, and Philippe, all of you. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. I still have many things to say. Maintenant, but now, vous ne pouvez pas les porter. You will not be able to. Comment vous voyez beaucoup de gens avec des révélations mais ils tombent dans la mendicité, la chair? How can you see how come people with many revelations but falling into fornication because they are still flesh? Entrez dans le cœur des gens, vous allez voir. Enter into the hearts of people and you will see. J'ai un cas que je traite. I have a case I'm busy treating. Il y a des gens. There are people. Mariés. Married. Une femme mariée. A woman married. Mais qui a des relations, mais. But who has a relationship outside? Yes, Hallelujah. Elle a besoin du Saint-Esprit. She needs of the Holy Spirit. Dis-nous ça. Là, il n'y a pas des amen. And there's no amen to this. Il n'y a pas des amen. There's no amen to this. Voilà pourquoi Dieu dit. This is what God says. Je vais descendre. I want to come down. Je vais descendre. I will come down. Pour vous donner la solution. To give you solution. Je pars pour terminer. I'm going to finish. Parce que je veux conclure aujourd'hui sur le baptême du Saint-Esprit. Because voilà I want us to pray today for the baptism of the Holy Spirit. Ça va changer la vie de beaucoup de gens. And I'm telling you, it's going to change the life of many people. Vous le voulez aussi? Do you want it also? Vous le voulez aussi? Do you want it also? It will change many people's lives. Écoutez-moi. Listen. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'efforts. There are many people who did their best. Je vais laisser la colère. I want to forsake anger. Yet je vais laisser cela. I'm going to forsake this yet la chair. Because of the flesh. The God is still. Il a besoin d'une puissance naturelle. You need a supernatural power. Pour répondre au problème du campement. Écoutez-moi. Also to the problem of the encampment. Le campement, tu ne connais pas la direction. The encampment, you do not know the direction. Tu connais quand est-ce que la colonne du feu va s'élever. You don't know when the pillar will move. Tu dors dans les profonds sommeils. 3h du matin, tu dis.
Tu dois te lever même dans le sommeil pour marcher. C'est ça la vie chrétienne. You can be in a deep sleep and then at 3 a.m. you hear the trumpet blowing. You have to wake up. And nous échouons. Nous échouons. We are failing. Parce que nous voulons marcher comme on veut. Because we want to walk as it pleases us. Ah David. Oh David. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I will not be in want. Il me conduit dans les verts pâturages. He leads me to the green pasture. Dans les eaux paisibles. In still waters. Il restaure mon âme. He restores my soul. Quand je marcherai, when I walk, dans la vallée de l'ombre de la mort, into the valley of the shadow, je ne craindrai aucun mal. I will fear no evil. Vous voyez? Do you see? Il y a le mal. There is evil. Mais David, yet David, ne craint aucun mal. Fears no evil. Parce que la houlette, because the staff, et le bâton, and the road, me rassit. Come forth. Là, il a traversé la vallée. He crossed the world and the valley, and he says, "Thank you." Tu dresses devant moi une table. You set before me a table. C'est entre David et le pasteur. Meaning between David and the pastor. Le pasteur qui était devant. If the pastor was ahead, il a traversé la vallée. He crossed the valley. Il dresse la table. And then he set the table. Curieusement, but curiously, face de mes ennemis. Before my enemies, tu ouintes ma tête. You anoint my head with ma oil. De bord. And my cup overflows. Sans le Saint Esprit. You cannot overcome the battle. Avant de chasser les démons, before casting out demons, il faut que le murmure de ton cœur trouve la solution. First, the complaints of your heart must find solution. Je vous donne le sujet de prière parce que nous voulons. I'm giving you a request that we're going to use to pray because we want to pray. Goliath sort. Goliath comes out. Il regarde Israël. And he looks at Israel. Qui d'entre vous? Who among you? Est capable de se battre avec vous. He is able to come forth and fight with you. Qu'il sorte. Let him come forth. Qu'est-ce qui manquait à Israël? What was lacking to Israel? Les épées. Sword. Le bouclier. Shield. Les flèches. Arrows. Tout c'était là. Everything were there. Les soldats. Soldiers. Tout c'était là. They were all there. Mais qu'est-ce qui manquait à Israël? What was lacking to Israel? On peut avoir des versets bibliques. We can have biblical verses. On peut avoir des connaissances. We can have knowledge. Ça ne va pas nous donner la victoire. Yet it won't give us victory. Mais David arrive. But David arrives. David n'avait rien. David had nothing. Ni la lance. No sword. Ni de flèches. No arrows. J'ai toujours dit que si David avait combattu Goliath avec la lance, I always said that if David fought against Goliath with the spear, Christ n'allait pas mourir à la croix. Christ wouldn't die on the cross. Heureusement qu'il a laissé tout. Unfortunately, he left. He forsaken comme un pasteur. And he came down as a shepherd. La différence était quoi? And the difference was David avait lui. David had the oil. On peut avoir tout. We can have everything. Mais sans le Saint-Esprit. But before the Holy Spirit, avec. We are not going to overcome. Ce que tu dois chercher aujourd'hui. And therefore, what you need to seek today. La réponse que Dieu a donnée. The answer which God gave. Je veux que les gens prient. I want people to pray. Jusqu'à sentir que nous sommes comblés. Until you feel you are full, filled. Et je suis sûr que tu ne sortiras pas ce matin comme tu étais entré. And I believe and I'm sure you won't come out as you came. Si tu désires réellement le baptême du Saint-Esprit dans ton cœur. If you desire really the baptism of the Holy Spirit in your heart. Parce que je connais le Saint-Esprit. You're going to say I'm not. C'est la parole. It's the word. Je le connais comme la parole. I know him as the word also, yes. Frère Pierre aussi connaissait le Saint-Esprit comme la parole. Brother Paul also knew. Mais l'expérience qui a fait que, by the experience that made, devant un petit nombre, before a few number, Pierre a renié Jésus. Peter denied Jesus. Mais devant des milliers, but before a multitude, le même Pierre qui a renié, the same people who ils sont pour témoigner. C'était un contact avec le surnaturel. Je veux que les gens soient surnaturels. I want people to be supernatural. Un homme surnaturel, a man supernatural, ne prendra pas les épreuves. Je suis en Afrique du Sud. I'm in South Africa. Mais ma vie n'est pas liée en Afrique du But Sud. My life is not bound to South Africa. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, est capable de m'orienter comme il veut. To guide me as he wants. Tu crois ce message? Do you believe this message? Tu as besoin de l'expérimenter. You need to experience it. Aujourd'hui, je ne te dis pas de prier pour l'autre, mais pour toi-même. Today I'm not asking you to pray for the other, but for yourself. Le murmure, the complaints. Dieu a répondu ça par le baptême du Saint-Esprit. God has answered to that with the baptism of the Holy Spirit. And today, sans le Saint-Esprit, before the Holy Spirit, on sera comme on a été dans les catéchismes. We're going to remain as we were in that side. 2 ans de ma longue. 2 years of study.
Première communion. First communion. On devient plus que païen. We become more than pagans. Non, le Dieu de l'Évangile. No, the God of the Gospel. Ce n'est pas le Dieu de Baal. He's not the God of Baal. Un frère qui vient dans l'église mais il reste des scrooges. A brother comes into the church but remains a crook. C'est tout ça. C'est tout sur l'Afrique. Especially here in South Africa. The rent is 4,000 rand. Mais le frère prend la maison pour son bien-aimé. But a brother takes the rent for his beloved, and he says 4,500. Il parle même en langue. And he speaks even in tongues. Alléluia. Oh no, alléluia, alléluia. Mais dans le cœur, yet in the heart, il trompe son frère. He proves his brother. On a besoin de ça. We need the Holy Spirit. Nous avons vu des gens comme ça. We have seen people like this. Connexion. No, a connection. The work permit. What he said is de l'aventure. He knows this is lies. Connexion. But he's saying no, there's a connection. C'est combien? No, how much? On a demandé 3 000. No, they ask for 3,000. 6,000 ça sort. No, 7,000. Vous allez mon sac. But he comes here. Il y a une personne qui s'est passée. No, you need the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, the complaints will continue. Do you believe this message? We're going to pray. We want to pray. As we have never prayed, je demande à personne de se lever. I'm going to ask nobody to stay. La position que le Saint-Esprit va te pousser à prier. But in the position the Holy Spirit will lead you to pray, you there in that position, you are going to pray. And brother Jamal, do not stop the broadcast because I want to pray with those who are in the church. Please lead us in worship. Beloved, lead us with a song. La position de la prière. Be in a position of prayer. Que Dieu va te donner. Which God will give you. Mais tu vas prier. But you are going to pray. Jusqu'à sentir quelque chose dans ton cœur. Until you feel something in your heart. Tu connais le murmure de ton cœur. You know the complaints of your heart. Tu connais le murmure. You know the complaints. Peut-être c'est la déception. Maybe it's disappointment. La maternité. Maybe it's a problem with conception. Les difficultés de payer le loyer. Maybe difficulties of paying rent. Tout ce que tu traverses. Everything that you are going through. Tout ce que tu vis. Everything that you are living. Tu vas commencer à prier. You are going to pray for it. Commence à prier. Stop praying. Commence à prier. Stop praying. Commence à prier. Stop praying. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Because you need the baptism of the experience du Saint-Esprit dans ton cœur. Experience the Holy Spirit in your heart. Vaincre le murmure. Going to overcome the complaint. Thank you.
Le Saint-Esprit va prendre possession des gens ce matin. Il va toucher notre église. Thank you.
Seigneur, comment est-ce que tu penses que les gens vont quitter ton cœur? Dis-moi, Satan, comment est-ce que Dieu visite? Dis-moi, tes noms te livrent parce qu'il m'a dit ça. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Les liens vont tomber. Les chaînes vont tomber. Jésus, tapé dans mon cœur. Je veux que tu sois un homme déjà disposé.
Oh,
Je vois la main de Dieu. I see the hand of God. Tu visites,